Bienvenue sur MTGQ, deuxième vidéo du Dolorama Challenge. On ouvre des repacks, puis on regarde deux choses. La carte la plus ancienne qu'on est capable d'avoir, puis celle qui vaut la plus cher. Lors du premier vidéo, on a eu une carte, un Rewind de Urza Saga, puis un Lord of the Acres à 1,49. Est-ce qu'ils vont être détrônés par ce qu'on va ouvrir aujourd'hui? Encore 7 fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Que je vais tout de suite ouvrir. Ouais, avec ça, on va essayer de ne pas abîmer les cartes. Alors, une partie. Et une autre partie. Donc. On va identifier la plus ancienne de ce paquet-là, celle qui vaut le plus d'argent. Puis, est-ce qu'il y en a une qui va détrôner une de nos deux cartes ou les deux qui sont en tête présentement. Donc, Militant Inquisitor, Bear's Companion, Cerulean Wisp, Warning Worms, Chandra's Fury, Qatar Companion, une carte à l'envers qui est un Mindering Tower Shell, qui est une grosse tortue, Alimar Excavator, Pay to Heed, Ancient Crab, Nyx Born Wolf, Plane, oh, Quilled Sliver. Sliver de Future Sight ou un de Time Spiral, un de ces blocs-là. Fétide Imp et un Rabid Blood Sucker. On poursuit avec Strength of Arms, Armament Corps. Oh, Season Tactician Alliance. Donc notre Rewind vient d'être détrôné. Back to Nature, Nyx Born Shieldmate. Un Stone Strain of Arm, une carte en vert qui se trouve être un Scroll of the Master. Alimar Excavator, Haven Initiate, Unbridled Growth, Core Skyfisher, Haven Initiate, ouais, on a du doublon, un Swamp, un Quid Sliver, Raid the Bones et un Returned Centaur. On poursuit avec un Survive the Night, Secret Plan, Altar's Reap, Dimir Gilgate, Leaf Glider, Angelic Purge. Ça doit être notre art, Defiant Blood Lord, Alimar Excavator, Aven Initiate, Sylvan Ranger, Aether Swooper, Moroi, Une Montagne, Graceful Reprieve. Nantuko Husk et Infernal Scaring. Donc, Puncturing Light, Bartu Charm, Izet Gilgate, Giant Growth, Deepwater Hypnosis, Unruly Mob, et on va avec un Yugen Insight, Disentomb. Ancient Crab, Fury's Band Trumper, Colossal Peed Swamp, Morknut Necropod, Dark Dabbling Return Centaur. Et il nous en reste trois pour faire ce lot-là. Strain of Arm, beaucoup de répétitions. Sacred Armory, Shifting Sky, Crippling Chill, Infernal Plunge, Stern Constable, Rattle Claw Mystic. On a ensuite un Roar of the Worm, Silk Weaver Elite, Aether Inspector, Master Splicer, Plen, Throne of Get, Nightshade et Reef Soul. Tout to go.
Emissary of the Sleepless, Staff of the Flame Magus, oh, Doom Rider Outlaw, Thunderstrike, Airland of Duty, avec deux cartes d'alliance, Strain of Arm, Fated Intervention, Soul Type Banner, Verdant Automaton, Sylvan Ranger, Benefaction of Hronas, Aether Chaser, Une Plaine, Throne of Geth, Screeching Scab, Disperse. Et le petit dernier pour cette deuxième vidéo. Unruly Mob, Gargoyle Sentinel, Dune Rider Outlaw, Thunderstrike, Reinforcement, trois cartes d'alliance dans ce lot-là. Survive the Night, Zul'tar Enchant, Dispel, Verdant Automaton, Sylvan Ranger, Benefaction of Hronas, Aegis Automaton, Une Plaine, un Golem's Heart, un Shambling Ghoul et un Touch of Moon Glove. Bon, je vais aller valider une coupe de prix et je vous reviens dans quelques instants. Bon, ben, pour notre plus ancienne carte, Season Tactician, on va prendre la place de notre Rewind. C'est la carte dans les trois d'alliance qu'on a eue qui a le plus de valeur. Et malheureusement, ben, le Rattleclaw Mystic, qui est celle qui a le plus de valeur dans ce qu'on a ouvert, vaut que 75 sous en date de l'enregistrement et que notre Uncommon Lord of the Acres vaut encore 1,49. Donc, une alliance, puis encore le Lord of the Acres. Sur ce, à la prochaine!